Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'héritage d'Alexandre sur Rome 2 Total War. Petit rappel rapide, c'est mieux dans ce sens-là de ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai eu des piques batailles là, à ce niveau-là contre les Cimériens qui m'ont vraiment fait très très mal. D'ailleurs, on peut en constater suite à l'état de l'armée, mais j'ai finalement réussi à les péter et à me servir de leur ville tranquillement. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils ont un peu des trucs sur le côté. Il y a eu les Colchides, ici présents, qui sont devenus satrapies, donc état client équivalent oriental, du pont qui leur a roulé dessus et qui les a réduits à l'esclavage, à peu près. Sur la droite, je suis toujours en train de maintenir mes armées, mais en plus de ça, je me permets d'en recruter des nouvelles, histoire de bien faire chier mes voisins. Au sud... Bah en fait, comme l'Egypte est en train de se faire péter et que j'ai de bonnes ententes avec... Enfin, à défaut de bien s'entendre, parce que c'est pas le cas, mais il m'a proposé lui-même du commerce, et je pense qu'au fur et à mesure, on va bien s'entendre avec eux, donc à voir. Hop, l'Egypte, on s'entend bien. À voir comment ça se passe, et surtout si l'Egypte arrive à s'en sortir, ce qui, je ne pense pas, sera le cas. Par contre, j'avais pas vu qu'on avait annulé l'accord commercial, et que cet accord commercial est très intéressant pour moi. Voilà, comme ça je me fais un peu d'argent en plus. Mais de toute façon, vu qu'il me faut ici, soit je m'entends bien avec Nassamon, soit ce sera une bataille de plus. Ça c'est la Libye, ça c'est Carthage, et je suis allé aider mes amis romains pour les défendre contre l'envahisseur. Mais il semblerait qu'ils aient même du mal à se défendre contre les Latins. Donc il me semble que moi je dois juste avoir Italia et que du fait Magna Graecia ne m'intéresse pas. Donc je vais voir si les Romains sont à même de se démerder contre les rebelles, dans le cas contraire j'irai m'en occuper moi-même. Ici, j'essaye, contre toute attente, parce que je n'y arrive pas, à cause de ces abrutis qui me bloquent la route, d'aller finir la Ligue étrusque. Voilà. Sinon, petite information, j'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir si j'organisais des petits combats entre vous et moi, donc des petites batailles. Alors, je vous promets rien, hein, pas 12 000 batailles chacun... Pas tous les jours, pas etc. Mais si jamais ça vous intéresse que certains d'entre vous, bah, qu'on se fasse des petites batailles. Et pourquoi pas, à la limite, si vous êtes nombreux. Et je dis si vous êtes nombreux et si ça motive tout le monde, on se fait un mini tournoi et je filmerai tout ça pour le mettre sur ma chaîne. Voilà, donc si vous êtes intéressé, Facebook, YouTube, vous vous débrouillez, vous me faites signe. Le plus simple serait quand même via Facebook, je le dis à chaque fois, mais ça me permettrait au moins d'avoir un visuel plus clair et de pouvoir organiser ça comme je l'entends. Bref, l'annonce est en fait... Ah bah si. Ah bah oui, bah eux, forcément. Fait péter les redoutables lanciers. Et voilà. Allez hop, fin du tour. Voyons voir. Rome, on s'en fout. Carthage, l'Egypte. Non. Bon, l'Egypte est toujours là. Hein. Ils se sont fait rouler dessus en l'espace de 2 tours à perdre tout leur territoire. Mais alors, le dernier, il le lâche contre rien. Espérons qu'ils finiront par rattraper leur retard, ce qui pourrait être une très bonne chose pour eux. Ligurie, Nova Carthago, ce qui fait que c'est bientôt à moi, c'est à moi. Alors, Pella, zut, je me suis fait avoir, femme noble. Ennemi blessé, moi, bien fait, ça c'est fait. Alliance établie entre, bon c'est là, Persia c'est en bas et Atropos. Pas de tête, faudra que je regarde. Sinon le reste on s'en fout un peu. Sur Pella, j'avais pas d'argent, donc il y a eu des beaux quartiers. Des bas quartiers. Beaux quartiers, rien à voir. Il y a eu des bas quartiers et je me fais 6000 d'argent par tour. Mais c'est complètement fumé. Allô. Toujours au latin. Je sais pas s'ils foutent, mais s'ils perdent Brundisium, faudra que je m'en occupe aussi quand même, parce qu'il est hors de question de laisser quoi que ce soit aux rebelles. Là on est en mode course, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Par contre, il me semble que je peux atterrir. Donc, j'ai atterri, ce qui est très bonne chose. Au prochain tour, on ira se faire à l'Alia. Ici, toi, bah tu peux revenir là-dedans, du coup. Sachant qu'on a Carthage qui sont absolument pas mes amis. Je suis en plein milieu de nulle part, je sens qu'ils vont bien venir me faire chier. Par contre, de tout cet argent, première chose, on va aller à l'Est. Parce que là, Atropatène, ah c'est cela, ok. Bon, ils ont pas grand chose, donc ça devrait aller. Hop, ici. Donc j'ai quoi? Un pitié. Est-ce que je me fais plaisir? Ouais, je vais me faire plaisir. Combien j'en prenais avant? 4? Peut-être un peu too much, 4. Ah bah là, j'en ai pas pris du tout. Donc, c'est pas un bon exemple. Je vais en prendre 3.
Donc on rajoute 2 pitchs à l'inothorax et alors, bonus de charge 70. Donc c'est bien de la Thessalienne. Allez, hop, je peux en recruter qu'une, ça suffira largement. Sinon, est-ce que je peux faire ça? Non. Balise grecque géante. J'ai découvert ça récemment. Faudrait que je teste de voir ce que ça donne. Ici, je peux recruter ça, mais je peux pas recruter d'archer. Je vais lâcher les javelots pour des archers. J'ai fait des tests récemment avec un ami avec qui je joue. Et on a placé beaucoup d'espoir en les archers. Je vais pouvoir tester avec vous et vous montrer la petite différence avec ces petites merveilles. Ah bah d'ailleurs, j'en avais déjà là. Ok. Bon bah, on a déjà pu tester du coup. Je crois d'ailleurs que... Non. Je l'ai pas fait partout. Dommage. J'ai de l'argent. Non, ne détruis pas. Convertis-le. T'as plus d'argent, mais suffisamment pour te débarrasser du beau quartier. Du bas quartier, je vais y arriver. Pas de baston à ce tour-là. On va aller voir quand même. Non, j'ai atterri ici. Ici. Parce que je suis parti un peu trop vite. J'ai un agent qui est ici et qui me montre qu'il y a quand même du monde dans ici. La vache! Ils sont vraiment pas contents. Bon, au moins, ça promet. Et Capitaine est sans armée. Donc je pense qu'une fois que j'aurai la deuxième. Ou alors je vais carrément faire chier mon monde et. Je n'ai vu aucune armée sur la route. Mais pour le moment, le problème c'est que je ne vois pas s'il y a des armées ici. Donc s'il te plaît, fais ton travail. Ah, il y a un ennemi. Ok. Le problème c'est que si je m'étale trop. Ça risque d'être un peu le bordel. Je pense que je vais m'étaler au sud, mais pas au nord. Il me semble que c'est une bonne situation. Bah, va continuer à descendre. Tiens, on a vu lui là. Ils sont stylés, leurs dignitaires. On dirait des rois mages. Ok. Donc ici, il n'y a absolument personne et vraiment ridicule quoi. Donc je pense que je vais faire genre discrètement, je vais y aller. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça les fera bien chier. Je me cache ici. Comme ça, au prochain tour, je pourrai tracer directement dessus. Toi, avant de recruter, parce que je t'ai fait recruter, ce qui est une très bonne chose, mais viens dedans. Comme ça, au pire, tu seras protégé. Voilà. Allez, mince, raté. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une galène. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Ah oui, c'est pour Jérusalem. Ah, oh, bah tout va bien, Jérusalem. C'est très très bien. Je crois que tu vas pouvoir arrêter. Détail. 10%, 4% du taux de recherche. Elle est vraiment sympa, elle. Ici, 1238. Ici, 118. C'est vraiment perdre du temps. Antioche, 1238. C'est le même. Tarsus, 1160. Je crois qu'ici, je dépense plus que je gagne. 2000. Voyage, voyage. Hop là, là-bas. Allez, fonce. Ah, dire que j'étais mauvaise langue à ce point-là, c'est moche. Voilà, et toi, tu restes là parce que tu es très bien ici et que tu fais ton travail. Ici, l'Arménie. Moins 50. Bon, je crois qu'on remonte. Je dois vous avouer que je m'en souviens plus. Allez hop, fin du tour, toujours 6173, quoi. C'est hallucinant, mais l'argent que je me fais. Traité de paix avec Carthage. Bah écoutez, vous êtes en Corsica. Vous êtes en guerre contre Rome. Donc si jamais il me demande de venir, je viendrai. Et quitte à être super chiant, il n'y a pas de raison. Envoie la monnaie! 2000. Modéré. Ils ont accepté. Allez vous faire voir. Hop. Voilà. J'aime bien racketter les gens comme ça. En plus, ils me donnent tous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mes bateaux! Mais non, mais laissez-les! Fuir! Ah, c'est la Ligue étrusque, carrément! Oui, j'ai esquivé! Ils sont revenus! Ok, d'accord. Je sais pas ce qu'ils me font là, mais c'est un peu spécial quand même. Lilibaum. Ça me fait pleurer là, parce que dans ma partie avec Rome, parce que je fais une campagne sans vous, avec Rome, parce que ça faisait. En fait, je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas joué depuis très longtemps. Et en fait, Carthage s'est littéralement fait exploser par Syracuse ici, et moi je me suis occupé de tout le reste. Et c'est moi qui dois payer en plus. Mais oui, bonhomme, mais oui. Et oh, l'autre, je l'ai fait raquer, et toi tu vas pas payer. Allez hop. Bon allez, c'est la fête, ils veulent faire la paix, ils veulent pas que je les rackette, on va les laisser tranquilles. Nova Carthago, eux par contre...
honorable, faites un honorable ennemi. Modéré avec 2000. 1440, j'ai quand même doublé leur offre initiale. Hein. Voilà, comme ça j'ai fait la paix avec Carthage et tout. Et je me suis fait plein d'argent. Alors, voyons voir. Une faction rejoint la guerre contre... What? Mais pourquoi ils se battent encore? Bon, c'est un peu la bordel, noble. Surplus, ok. Tentative de perturbation, mais il a raté. Trait obtenu, très bien. Populace motivée, très bien. Tentative de sabotage, il a raté. Mes 3 paix négociées avec les 3. Une faction détruite, les Breuses, je ne sais pas qui c'est. Et ça, on s'en fout. Voilà, j'ai fait plein de choses. Enfin, il y a eu plein de messages, surtout. On va voir les choses dans cet angle. Ah, j'ai l'autre espèce d'enfoiré, là, qui est en train de me bloquer la route. Et là, j'ai mon agent qui ne demande qu'à agir. Pardon. Toi. Hop là. Toi. Tu as donc un cavalier, il t'en faut un deuxième. Et on va commencer à prendre les bretteurs. Ce sera fait. J'ai encore 7000. Je ne sais vraiment pas ce que je vais foutre de tout cet argent. C'est complètement hallucinant. Quoi. Je pense qu'il va falloir que je recrute en fait des armées à bras le corps. Oh non, je vais mettre des bâtiments. Regardez, il demande que ça. Un bâtiment ici. L'ordre public va bien. C'est mon bâtiment militaire, certes, mais... Oh. Tiens, toi. Donc du coup, il y aura un problème d'ordre public. Tu vas pouvoir prendre ça. Je sais déjà ce que je vais te mettre. Ici, non. Ici, non plus. Là, non plus. Ah, là, je peux monter plein de trucs. Oui, mais non, mais non. Pella. Ne pas oublier Pella. Ah, tiens, on va mettre un aqueduc. Parce que j'avais fait la recherche juste pour ça, en plus, il me semble. Donc, ce serait bien d'en profiter. Toi, arrête de courir. Recrute du monde. Ah, t'es vraiment des trucs merdiques, quoi. Je me suis peut-être planté de bateau. Non. J'ai que des unités de tir à distance, c'est un peu dommage. À part les potes à feu, là, mais... pillage, poursuite, peltas léger. Ouais, bon, on va prendre ça. Hein. Allez, hop. 4 bateaux. Oh, bah j'ai plus d'argent. Bon, bah voilà. À l'ouest, je n'ai guère oublié ce qui s'est passé, Roma étant mon ami. Les Romains sont en train de perdre de la bouffe, quelque chose me dit qu'ils vont se faire écraser. À mon avis, il va falloir que je fasse le nécessaire rapidement, d'autant plus que les rebelles ne déconnent pas. Mais bon, il est l'heure pour nous de faire notre bataille. Allons-y. 1, 2, 3. Toi, ah merde, toi c'est des hommes. Bon, c'est pas très grave. Allez, on est parti parce qu'en plus c'est l'unité complètement fumée. On va s'éclater. Baston! Donnez-moi votre ville! En plus, ils me donnent. On est combien? 1360. Oh, ils ont pris que les armées de merde. Chouette! Alors attendez, je regarde juste. Ouais, non, là, j'ai pas envie de perdre autant d'hommes pour une victoire qui m'est donnée. Les doigts dans le nez. Poum! Oh là 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 là, mais ça fait tellement plaisir. Je dois vous avouer que vous êtes les premiers avec qui je vois mes hommes arriver aussi loin. J'ai jamais eu la patience d'avancer autant que ça et je m'éclate réellement à faire mes vidéos avec vous, donc c'est vraiment un plaisir de voir mon armée se développer autant. Seule chose que je regrette, c'est ces saloperies de balistes qui montent pas aussi vite que je l'aurais voulu. Mais bon, je vais voir ce que ça fait longtemps que j'ai pas vu des unités au max, voir ce que ça donne. Même mon général, il est bien parti, même s'il est à pied. Par contre, j'ai plus qu'une unité de cavalerie et ça c'est une grosse connerie de ma part, il faudra que je fasse attention. Armée de garnison, de cavalerie, mais... Bon, on s'en fout, j'ai des hôpitaux à plus savoir qu'en foutre. Une armée de... Oh là là, ça va être nul. Mais nul. Attendre. Je veux qu'il fasse beau. Voilà, très bien. Je suis pas adepte des combats sous jour de pluie ou ce genre de truc. Alors, c'est ici qu'ils vont être majoritairement. Donc vous, 5. Vous, là, vous, kaboum. Voilà. Ensuite... histoire de faire un peu de brain quand même, je vais essayer, il n'y a pas de raison. 2. Mon armée de hoplites. Là, alors on entend du coup, ouais, vous, 3, on va le garder en 3. Je vais en mettre 4 de ce côté-là. Et tout le reste, général compris, en 1. Ici. Peut-être même un peu trop débile ce que je fais. Je vais laisser mon général ici, mais 1, 2, 3. Non, mauvais. 1, 2, 3. Avec les cavaliers. Donc ces cavaliers seront le 2, le 3. Enfin, tout est pris. Bon, allez, 6. C'est la fête. J'espère que je m'y retrouverai dans mon bordel. C'est parti. 6, c'est quoi? 6, c'est eux.
Donc si c'est eux, Les renforts ennemis sont en vous allez approche. là-bas. 1, c'est mon général, c'est devant. Vous allez ici. 5, pourquoi tu ne tires pas? Parce que ta portée s'arrête juste avant, ce qui est bien dommage. Permets-moi de t'avancer. Mes cavaliers tout seuls, on va faire un truc très drôle, donc on va vous laisser là. Et quant aux gens qui sont là, en avant. Hop, vous ne fuyez pas, vous mettez le tir autant quand vous pouvez. Et vous avancez là, s'il vous plaît. Je crois que je les ai complètement oubliés sur le côté. Ouais, bon, c'est pas grave. Ils vont courir un peu plus vite. Enfin, un peu plus longtemps, surtout. Mes balistes avancent, 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 jusqu'à être à portée de. Et elles sont à portée. D'ailleurs, on voit un peu plus de monde, ce qui est très, très, très bien. D'ailleurs, on voit tout le monde, ce qui est encore mieux. Et je vais te demander de viser le général directement. Avec des boulets normaux, parce qu'on gagne en précision. Si jamais. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je n'ai pas oublié les remarques qui ont été faites concernant que ce serait bien qu'on ait un visuel plus poussé des combats. Donc, je vais m'arranger pour que ça se fasse. Par exemple, là, on va avoir ces enfoirés qui me tirent dessus. Alors, celui-là, je l'avais pas vu venir, quoi. Unités cachées ont été Mais découvertes. alors, pas du tout. Reculez. Voilà, comme ça s'est fait. Hop, bon, vous grouillez-vous un peu quand même. Alors ça, je l'avais même pas anticipé, quoi. J'avais complètement zappé qu'ils pouvaient me tirer dessus depuis leur bateau, c'est débile. Mais bon, c'est pas grave, ça m'apprendra à ne pas réfléchir. Et de toute façon, on a bien constaté qu'une fois qu'ils sont là, ils ne peuvent plus me tirer dessus. Tant pis pour eux. Mes catapultes, 22 et 1 mort. Vous êtes sérieux? Vous êtes aussi nuls que ça? Ah, oh, la magnifique boulette. Ça, c'était joli. Bon, allez, on les laisse faire joujou. Eux, est-ce qu'ils finissent par se poser ou pas du tout? Je ne crois pas. Donc, on va laisser ma catapulte faire. Vous, vous êtes déjà là, ce qui est très bien. Vous continuez à avancer ici, s'il vous plaît. Voilà. Vous, finalement, on attendait qu'ils se posent, mais ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On attend gentiment que ma catapulte fasse des massacres chez eux. Ah, mais ils tirent bien en plus. Ou presque. 76, ouais, bon, c'est pas glorieux, glorieux tout ça. Ici, ils arrivent aussi, mais il faut que j'évite de me faire tirer dessus comme un lapin. Eux, ils sont descendus et eux vont bientôt descendre, si je ne m'abuse. D'où le fait que vous allez réavancer, s'il vous plaît. Vous, ce sera au cas où. Voilà, donc on y retourne. Parce qu'en théorie, ils sont en train de descendre et il y a moyen que je les attrape. Et que s'ils sont déjà en train de courir comme je le suppose, on envoie directement la cavalerie. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment la flemme d'attendre. Pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose. Ici, 1. Avancez-vous. 2. Avancez-vous. Même si je ne pense pas que vous soyez déjà arrivé. Et voilà. Général, c'est fait. D'ailleurs, il n'y a plus personne. Donc, tu es autorisé à tirer sur qui tu veux. Amuse-toi. Ma cavalerie a terminé l'unité qui est ici. Et on va voir le massacre de l'unité qui est ici. C'est parti. Allez, allez! Tintintin, insère. Wouah! Non, mais non, mais non, mais non! Wouah, 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 wouah! Vous voyez, j'abandonne 3 secondes. Et l'autre, elle tire sur n'importe quoi. J'ai perdu masse de cavaliers juste parce que c'est débile de tirer n'importe où, quoi. Super! Je sais pas, il y avait tout un tas au milieu, il fallait qu'ils s'attaquent au seul endroit où il y avait ma cavalerie, quoi. What? Et en plus, ils vont me tirer dessus, c'est moche. Fuir. Oui, ils sont eux, du coup. Non, mais vous faites quoi? Voilà, hop, eux ont avancé. Je ne crois pas qu'on subisse de dégâts pour le moment. 5, tu vois très bien tout ce qu'ils ont. D'ailleurs, ils ont énormément de choses. À mon grand regret, je me prends des tirs, hein, mais on s'en fout. Hop, on passe en mode rafale d'explosif, histoire qu'on rigole un peu plus. Allez, allez, feu, feu, feu! Ah non, il bouge. Zut. Ok, eux, ils font demi-tour à nouveau. Mes catapultes devraient pouvoir tirer là maintenant, non? Allez, on tire là-dedans quand même. Mes cavaliers arrivent, mes hommes arrivent. Ici, mes hommes sont arrivés. Et d'ailleurs, il y a du monde derrière à aller s'occuper. Vous, vous êtes là, vous courez là-dessus. Et vous, vous êtes là, vous essayez d'attraper ça, s'il vous plaît.
Voilà, hop. Mais vous, je vous ai demandé de bouger là. Ah, je me suis trompé de bouton. Ça doit être ça. Je me suis trompé de bouton comme un noob. C'est pas très grave. Pourquoi elle continue à avancer pour viser une unité, quoi? Bon, tirez là-dessus, voilà. Ça va pas, ça devrait être à votre portée. Ici, on les a tous attrapés. Très bien. Donc 2. Vous passez par ici. 4, tu vas là-bas. Et vous tous là-bas. Mince, des bretteurs! J'avais pas vu ça! Ah! Et voilà, à vouloir aller trop vite, ça donne ça. Je vais quand même en faire venir une ici, histoire de faire une attaque par derrière qu'ils ne vont pas aimer du tout. On attend que la catapulte est terminée. Ouais, en fait, on va faire comme ça. Parce que ça a pas l'air d'être des flèches non plus. Alors, eux sont-ils en place? Eux sont bientôt en place. L'hostilité a utilisé toutes ses munitions. Eux viennent aider leurs copains, ce qui est très bien parce que j'en ai plus que 57 et ils sont 56. Plus ou moins équilibrés finalement. Hop, Léoplite, vous passez par là. Et ensuite, vous passez comme ça. Voilà, très bien. Comme ça, ils les auront. Il est temps, vu que ma machine là-haut a fini de tirer, je pense. Ouais, on va la faire finir de tirer. C'est le moment d'avancer. Vous tous là, les trois, vous attaquez ici. Toi, tu attaques ici. Vous tous, vous essayez d'avancer un maximum et vous vous faites plaisir. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Même si eux sont en train de courir après une unité qui n'interviendra pas. Et vous, pareil, vous arrivez ici. Voilà. Leur général n'est pas mort ici, mais ce n'est point très grave. La cavalerie, par là, s'il te plaît. Avec un peu de bol, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Notre général se fait attaquer, certes, mais ils peuvent mettre un méchant coup au moral à eux. Voilà, mes archers, là, mes javelots font leur taf. Eux sont en train d'arriver et c'est l'heure de faire un énorme massacre. Comme je les aime. Vu que j'ai réussi à les contourner, je me demande si je vais réussir à les massacrer comme ça. Je suis pas sûr, mais on va voir si ça marche. Bon, mes unités derrière vont mettre un certain temps à se pointer, mais c'est pas très grave. Leurs premières unités commencent à fuir. Toi, tu es mon général, tu ne fuis pas, tu attaques là, s'il vous plaît. Vous foncez dans le tas si vous ne savez pas quoi faire. Quant à mes bonhommes ici, vous êtes bien braves, mais tous ici, voilà. Hop, comme ça ils seront en place. Eux, le temps qu'ils se pointent, on aura eu le temps de terminer le truc. Là, il y a de la populace qui s'enfuit, mais je pense pas que ce soit un gros problème. Le seul problème derrière, c'est les lanciers. Donc, je ne vais pas prendre le risque de les perdre. Voilà. D'ailleurs, la populace a fait demi-tour. Très bon choix. Voilà, là, mes javelots vont se faire plaisir. Parce qu'il y en a un peu partout. Allez, allez! Je continue. Désolé, j'ai arrêté de parler. C'est ma faute. Désolé. J'essaie de faire vite. J'aimerais qu'en fait que mes javelots fassent autant de mal qu'ils le peuvent. Ce qui serait une bonne chose, je pense. Et que vous, vous alliez nettoyer ça. Voilà. Bon, eux vont arriver après le combat. Mais bon, pas très très grave. Ce qui est dommage, il faudrait qu'un jour je fasse ça, c'est que j'anticipe avant une bataille pour ne laisser absolument aucun survivant. Là, tu vois, vous voyez, c'est ce que j'ai réussi à faire ici, à les empêcher s'ils passent par là de pouvoir s'enfuir. Il y a un succès qui va avec, bon, on s'en fout, c'est pas intéressant la suite. Et j'ai toujours pas réussi à me mettre au corps à corps. Bon, je m'en rends compte, donc on fait des progrès, mais je vais essayer de voir ça. De toute façon, là, ils vont être obligés de m'attaquer. Ils ont encore suffisamment de troupes pour que je m'en inquiète. Au final, ouais, c'est encore, bah voilà, les balises, quoi. Les balistes, eux ont pas servi à grand chose. Je crois qu'ils ont surtout fui en fait. Hein. Il y en a très peu qui sont morts. Parce que je pense pas que si on fasse le calcul de tout ce que j'ai fait, ça suffise à. L'entourage grandit. J'ai la corne totale, voir. Tu m'étonnes. Là, c'est la grande question. Si je les subjugue. Parce que ça me fait chier d'avoir Alalia, ça sert à rien. C'est une ville qui est paumée au milieu de nulle part. Et en général, c'est une source de grand ennui. Mais je vais les raser. Tac, voilà, comme ça.
Ah, il a augmenté de grade, je sais. Oh, l'Imperium, avec un troisième champion que je puisse avoir. Ça, c'est génial. Alors là, vous allez voir tous les bâtiments rasés, donc ils sont pas contents, c'est normal. J'ai plein d'argent. Ah bah non, j'ai pas d'argent. J'avais oublié ce détail. Allez hop. Mais du coup, n'ayant plus de ville, que vont faire les troupes de la Ligue étrusque? Parce qu'il y en a quand même un paquet, hein. Pas se le cacher. Il y en a un paquet, mais je voulais éliminer un ennemi de Rome pendant que c'était encore possible. Là, pour le moment, l'Italie est encore à leur merci, et les Romains ont toujours un problème de bouffe. Et je crois que c'était Cosentia qui les nourrissait, donc là, ça va être assez inquiétant. Fin du tour. Pas fin du tour. Argos, qui es-tu donc? Ah, le mec à côté de Palmyre, ok. Conversion culturelle. Très bien. Ah, ce mec-là, en fait, finalement, je vais attendre un peu parce que même s'il m'aime plus, là, avec ce que je peux faire avec, c'est sympa. Je me demande si je le mets à côté. Non, je crois pas, non. Bah, je vais pas tenter. Il me fait gagner de l'argent. Profitons-en. Où est ma copine, là? Elle est là, ok. Voyage, voyage. Hop là, voilà. Hop. Avec elle qui voyage, c'est bon. Ici, je crois qu'on avait tout fait. Ou alors j'ai mis fin au tour et j'ai oublié de réattaquer. Et ben voilà, j'ai bien fait de pas faire de bêtises. En avant tout. Oui, on sait, vas-y, go. Là, pas la peine de faire la bataille, hein. Je vous le donne dans le 1097%. Hop, à nous la ville. À moi, plus d'argent. La Macédoine, elle est allée au bout du monde connu. Occupé, j'ai perdu personne. 36 pertes. Youpi. J'ai fait occuper comme un débile et j'ai toujours pas d'argent pour convertir. Faudrait que je pense à le faire au prochain tour. Quant à toi, qui est un. Alors, pour le désespoir avec des actions. Pour maintenir l'ordre. Ok, on va te mettre plutôt là. Glorieuse, protégée contre le zèle, très bien. Et toi, tu vas venir à côté, même combat, et tu vas mettre ça pour contre la ruse. Voilà, comme ça, l'autre, pour qu'il arrive à faire quelque chose dans mes colonies, bon courage. Bon, allez, la fin du tour. Non, mais non, mais non, mais. Ah, zut, l'armée que je viens de. À chaque fois, je l'oublie celle-là. Les fils d'Arès, ah, ils sont déjà bien évolués, c'est sympa ça. Ok. Ça c'était sympa. Alors on va voir un peu ce qu'il propose. Plus un d'expérience pour toutes les recrues, pas la peine. Ouais, en territoire étranger on y est un peu, mais bon, c'est pas utile. En défense, en mêlée. Ça peut être intéressant. On aurait tribu barbare, cavalerie hellénique, compétence d'attaque en mêlée. Ça aussi, ça peut être très sympa. Non, ça on s'en fout. Cavalerie hellénique, ça me fait un peu, ça me sert un peu à rien. Ça c'est sûr que non. Ça pourrait être bien. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ou 10% de dégâts, 5% de. Ouais, on va rester là-dessus. Ok. Ah oui, on m'avait dit qu'il fallait que j'explique les bâtiments aussi. Alors, c'est vrai que je suis pas trop branché sur réexpliquer le pourquoi des bâtiments. Parti. Et tu me donnes 3400, mais allons-y, soyons amis. Allez hop, ils vont tous faire la paix juste parce que j'ai pris une deuxième ville? Ah non, les autres se laissent pas faire. Arrière en l'occurrence. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah là, elle est en train d'attaquer mon agent là-bas. Et mon agent s'est fait avoir. Bon. Apparemment, il est toujours à moi, il est toujours vivant, on va pas se plaindre. Hein. On pourra peut-être pas juste bouger à ce tour-là, mais par contre, ils ont vachement de monde. 1, 2, 3 agents. Faut vraiment que je m'en occupe. Avec un peu de bol, je vais pouvoir les tuer. Bon, j'y crois pas trop, mais on va essayer de voir ce que ça donne. Touche. Une mordigne. What? Ah d'accord, j'ai un général qui est mort, j'ai un héros qui est mort, j'ai deux héros qui sont morts, la vache, mais non, mais c'était quoi ce jour? Il y a eu beaucoup de monde qui est mouru là. 5 provinces locales. Allez va, toi tu m'as l'air très bien à cheval. Par contre j'ai perdu deux héros, et j'ai le dernier qui est en train d'être complètement fumé. Toi, de la nourriture, j'en ai déjà suffisamment. Tu peux t'enlever, mais tu vas en garder un quand même. Surplus de pop, surplus de pop. Une faction émerge. Les insubres. Une paix négociée avec la partie. J'ai embauché des bateaux. Eux, ils sont pas contents. Mais alors, pas contents du tout, du tout, du tout.
Ils envoient du monde, ça va être trop fun. Ici, ils sont en train de répandre la tension culturelle, ce qui n'est pas bien. Mais on s'en fout parce qu'ils me feront rien du tout. Je peux agrandir le bâtiment ici, ce que je vais pas me priver de faire, justement pour mettre un deuxième temple pour adoucir les mœurs. Et toi, tu vas continuer à recruter des troupes parce que vu comment ils sont, on va s'en prendre plein les dents. Toujours pas d'archers puisqu'il faut attendre que ce bâtiment soit terminé. Et donc on va partir pour continuer à recruter des bretteurs. Voilà, les bretteurs c'est fait. Ici, on a tout fait à droite. Mes bâtiments, mon armée est entièrement refaite vu qu'elle n'a absolument rien subi. Ici, j'ai une armée qui arrive, mais si elle attaque Bactra, ça va être rigolo. Ici, qu'est-ce que tu peux faire toi? Ah, tu peux pas bouger alors que t'es complètement fumé. Je comprends pas. Ah, mais en plus, c'est un équivalent d'un héros. Et eux n'en ont pas. Alors, il faudrait que tu ailles sur eux du coup. Ok, non, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était un espion et en fait rien du tout. Et en plus, vu comment il est complètement fumé, c'est intéressant. Alors 18%, contrainte. Allez, 22%, je pense qu'il y a le plus de chance et en plus on a une chance de recruter un agent. On va pas s'en priver dans la mesure où j'ai deux héros qui sont morts récemment. Ok, elle a raté, mais elle a pris du grade. Enfin bon, elle a pris de l'XP quoi. Vous allez avoir besoin d'un agent parce que vous n'êtes pas encore assez élevé pour que ce soit intéressant. Ici, toi, recrutement militaire, très bien. Ferveur militaire, on s'en fout. Ok, toi. Ici, ils ont leur agent. Là-bas, ils en ont un, ça fait deux. Il y a mon armée fumée qui était à Alalia, si je ne m'abuse. Je pense que c'est eux qui ont perdu leur. Ouais, bon, eux, à la limite, on s'en fout, c'est pas gênant. Il me faudrait une autre de mes armées, il me semble que c'est du côté cimérien qu'il faut que je me tourne. Une de mes armées assez bien foutue, celle-ci qui a besoin d'un agent aussi, et pas celle-ci. Ok, donc ici je peux recruter. Alors, deux armées apparentées, coût de recrutement des unités de siège. Ouais, bon, on s'en fout, on va te prendre toi, hop, voilà, comme ça ils auront le leur. Ici, j'ai encore un peu d'argent, faut que je construise un bâtiment. Ce sera donc un aqueduc. Et toi, ça ne sert à rien, ça. Recherche. Voilà. Recherche, c'est fait. Ici, j'ai des bateaux de quoi? Du pont, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Eux sont entièrement refaits, il serait peut-être temps que je me bouge les. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Ici, tout a été récupéré, j'ai une milice de bâtards, donc je pense que je peux tout à fait me permettre d'aller voyager. Dans la mesure où ils me demandent plusieurs tours. Qu'est-ce donc les Colchides qui vont attaquer ici. Donc je me propose d'aller attaquer là-haut. Allez hop, on va faire autre chose d'abord. Voilà, hop, et allez ici, s'il vous plaît. Hop, voilà, comme ça je me rapproche directement des Cimériens. Je pense qu'ils vont pas aimer, tant mieux pour moi. Hop là, voilà, ça c'est fait. Ici, l'ordre public, il est de 100, mais avec un malus de moins 2, je pense que j'ai le temps de le voir venir. En bas, là mes temples sont déjà tout prêts. Là, je peux construire à Palmyre, mais j'ai plus d'argent. Ce qui est tout à fait débile dans la mesure où est-ce que j'ai comment. Oui, j'ai recruté à droite, hein, il me semble. J'ai recruté, c'est ça. Donc, ça, on s'en fout. Je suis un peu perdu là. On retourne côté romain. Mais bateau. J'en ai recruté un peu, mais il faut que je continue. Côté romain, les troupes continuent de diminuer parce qu'ils ont toujours pas d'argent et ils ont pas l'air décidés à se sortir les doigts, quoi. Oh là 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 là. Je peux même pas les libérer, mais là, ils ont une armée rebelle de ouf. Est-ce que j'ai des balistes là-dessus au moins? Même pas. Et là, à Néapolis, faudra aussi que je construise un truc. Bon, c'est un peu le bordel là en ce moment. C'est un peu le bordel, je commence à avoir un peu des trucs de partout. Il faut que j'essaye vraiment de me recadrer dessus. Au moins, elle allait arriver à destination, c'est une bonne chose. Rome est toujours parmi nous, l'Égypte aussi. Le pont fait des choses. Alors. La Ligue étrusque finit par m'attaquer, c'est mignon. Donc ça, on va pas la faire, hein, on est d'accord. 99%, hop, voilà, l'armée meurt, le bateau coule. Première chose de faite, se débarrasser d'une partie de la Ligue étrusque. C'est fait. On tue les captifs, évidemment. Là, c'est une autre histoire, par contre. Qui est-ce donc qui m'attaque? Oh, la grosse baston. Waouh, là, 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 là. Ils auraient dû venir avec plus de cavalerie encore. Mercenaires, donc c'est pas de la tarentine. Par contre, ils en ont 4. 4, énormément d'archers, énormément de cavalerie. Ils ont pris de la cavalerie à tout va, alors que moi j'ai des armées de hoplites. Plus la garnison, mais la garnison on s'en fout. Et ben allons-y!
Ils nous donnent quand même vainqueur, hein. Pas de beaucoup, mais ils nous donnent vainqueur. En même temps, il suffit que là, vu que c'est eux qui attaquent, moi j'ai juste à me mettre en attente. J'ai juste à attendre qu'ils arrivent. Avec des hoplites que je mets en mur hoplite pour qu'ils arrivent à rentrer là-dedans. Bon courage. Par contre, j'ai que mon général en cavalerie, ce qui va être assez chiant. C'est là où je regrette les chiens de guerre romains. C'est terrible ce truc. Vous envoyez ça sur les tirailleurs, ça fait le taf tout seul. Vous touchez plus. Vous envoyez, ça part et ça fait des 300, 400, enfin un véritable massacre. Eux arrivent ici. Donc on va partir du principe que ça va être le point à défendre. Je pense que c'est un principe qu'on peut se permettre. Hop, décalez-vous un peu par là, genre comme ça, voilà. 5. Vous tous, je vous aime beaucoup. Mais vous restez à côté du point, sans jamais y bouger. Vous tous, vous allez avoir la charge du bouton 2. Avec ne pas fuir et ça. Les bretteurs, je vais les garder, juste au cas où. Et ici, il n'y aura pas besoin que j'en mette énormément. 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Non, 4. 5, ça rentrera pas. Hop, en formation de muroplite. Voilà. Vous allez voir ce que ça fait. Ce que je vais faire, c'est juste protéger à tout prix toutes les entrées possibles. 2. Ici. Voilà. 2 ici, peut-être même 3. Voilà, 3, ça me semble un bon nombre. Comme ça. Voilà. Et il me reste 2. Et mon général. Que je vais mettre ici, à défaut de mettre ailleurs. Puisque je ne sais pas. Alors après, ils peuvent arriver par derrière. Mais je les verrai venir, donc j'aurai le temps de m'organiser. Il me reste mes bretteurs, si j'ai bien calculé, et mon général qui va venir se mettre ici pour faire profiter de son aura toutes les personnes présentes. Si jamais il y a besoin, je déplacerai. Les bretteurs sont là. À la limite, mettre les bretteurs ici pour faire un contournement. Donc en les cachant, bon, on verra ce que ça donne. Je vous propose qu'on commence. Allez. Feu. Voilà. Voilà. Eux commencent à tirer et vont faire mal, je pense. Les renforts ennemis sont en approche. Boum, boum, boum. Et les renforts arrivent sur la droite. Ok. Donc il y a très peu de chances qu'ils se pointent ici. Donc vous vous enlevez. Et vous venez ici, je vous prie. Avec les bretteurs qu'on va reculer peut-être un peu si jamais ils foncent dans le tas comme ce qu'ils sont en train de faire, ces espèces d'abrutis. Hop, voilà, donc ça je vais quand même les laisser ici parce que c'est un bon poste à défendre. Si jamais il y a besoin, je peux les décaler, c'est pas très très gênant, dans la mesure où apparemment c'est ce qu'ils comptent faire. Là, comme j'ai vu, j'ai remarqué, si j'en mets que 2, ça devrait largement suffire. Donc mettez-vous 2, et la troisième ici, s'il te plaît, si tu peux te mettre en arrière au cas où je rate quelque chose. Voilà, hop là, ça sera le mur anti, tu touches pas mes balistes. Sachant que leur cavalerie est en train de faire le tour et qu'eux sont en train de s'avancer. 5. Arrête de tirer sur eux. Mets les rafales d'explosifs et tire parmi les archers, s'il te plaît. Voilà. C'est parti. Hop là, le massacre commence. Moi, je tire dans les archers. Mais, Bretter. Alors, toi, ici, toi, ici. Voilà, c'est parti. Mon général, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui demander d'inspirer eux, de faire peur à eux. Et vous tous, vous allez me tirer la cavalerie de tirailleurs, s'il vous plaît. Enfin, dans le tas, là. Voilà. Comme ça, ce sera une bonne chose. Eux continuent à tirer sur les tirailleurs, ce qui est une très 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 bonne chose. Mon général, qu'est-ce que t'as d'autre? Bah, rien de très très intéressant. Ça, par contre, je l'avais pas du tout anticipé. Boum, voilà, c'est très bien. Toi, arrête de tirer pour le moment. Laisse-les faire. Hop. Toi, peut-être attaquer ici, en courant un peu plus vite. Mon général se fait attaquer. De quel droit mon général se fait attaquer? Pourquoi vous tirez sur mon général? Il vous a rien fait, mon général. Hop, on recule, voilà. Le but, c'est que j'arrive à les finir rapidement. Déjà, j'empêche leurs tirailleurs de me tirer dessus, ça va leur faire les dents. Et les miens vont se faire plaisir. Ici. Alors on va voir la baston, je vous l'avais promis. C'est parti. C'est un peu le bordel.
C'est pas le bon bouton. Parce que là, ça montre nos cavaliers. Allez, hop, on va faire comme ça. Allez, boum! Envoie-le au sol! Cavalerie de tirailleurs en plus, ils sont encore à corps, c'est quoi, c'est débile quoi. Ah, le coup de bouclier! Si, si! Boum! Hein? Ah bah non, mais pourquoi vous le tuez pas? Allez, tu peux le faire, petit! Ah, t'es mort! Ah, t'es nul! Allez, quoi! Tuez-le! Ouais, c'est pas grave. Par contre, il faut juste que je check un truc. Vous deux, dans le tas, s'il vous plaît, merci. Eux continuent à courir comme des débiles. Ok. 48. La vache! Ils se sont pris des patates! Ah non, ok, non, mais ils se font attaquer par derrière, c'est nul. Bon, ok, on va essayer de faire comme on peut. Ici, j'attaque par derrière, ça va être bien. Et vous, s'il vous plaît, tirez là. Tiens. Voilà, comme ça, eux, ils s'amusent. Je fais fuir tout le monde ici. Parce que mes hoplites déchirent sa mère. Ah non, toi. Et toi, et toi. Vous reculez, vous avez plus de munitions, vous servez à rien. Je veux pas vous avoir au corps à corps, s'il vous plaît, merci. Allez, allez, allez. Voilà. Non, parce qu'à un moment donné, faut arrêter de déconner. Foncez dans le tas. Ouais, mais eux vont vraiment faire chier finalement. Parce que j'ai mes unités qui courent pendant 2 ans, mais. Ah, j'en ai perdu 20 quoi. C'était une très très mauvaise idée de ma part. Je le regrette. Ici, le combat n'est toujours pas terminé. Je le regrette aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc dangereux, mais on va voir si ça marche. Voilà, vous allez là-dessus. Alors l'IA est assez débile parce que par exemple, j'arrête de chasser, de les chasser, ils s'arrêtent. Et si j'y retourne, allez, voilà, vous les attrapez. Ça marche tout à fait. Et ici, j'ai fini de nettoyer l'armée qui m'avait attaqué de ce côté-là. Voilà. Mes amis bretteurs, finalement, vous allez retourner ici parce que ça ne sert à rien. C'est là où je regrette le manque de cavalerie évident me concernant. Et ici, j'arrive toujours pas à les attraper. Ils en ont beaucoup trop. C'est une très mauvaise idée de s'en aller. Quant à vous, je vous demanderai de vous tirer là et de tirer à volonté. 1, 2, ils les ont eu. Bon, déjà, ça, c'est une bonne chose. Ça fait quelques morts en plus et des unités qui fuient. Ça ne peut pas nous faire de mal. Revenez ici, s'il vous plaît. Vous deux, du coup, on n'a plus besoin de vous. Par contre, on va sûrement avoir besoin de vous ici. Il m'en reste. Non, il n'en reste aucun qui n'a pas tiré, donc mettez-vous là. Voilà. Hop, on enlève les murs de hoplites. Mon général, tu vas passer derrière. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'ils foutent là? What? Demi-tour. Là, vous allez tenir parce qu'ils ont plus de munitions, donc ils sont en train de nous charger comme des cons. Très bien. Voilà, je les ai attrapés ici, je les ai attrapés ici, donc je vais tenir encore un peu, on va voir ce que ça donne. Ça, je l'ai pas vu venir, bien joué de leur part. Voilà, comme ça, ils pourront rien me faire de mal, même s'ils le souhaitent. Allez, bon, on se prend un peu de dégâts au départ, c'est vrai, mais bon. Oh là là, boum! Si jamais ils arrivent à viser correctement. Allez! Si, si. Allez, on dira pas, mais faut vraiment pas déconner avec les hoplites, quoi. Là, pourquoi ils se battent? On ne sait pas. Non, pas vous. Eux, on va les laisser tirer autant qu'ils le veulent, on s'en fiche un peu. Foncez dans le tas. Eux, ils sont en train de les finir ici, ce qui est une bonne chose. Mon général, à la limite. S'il arrive, mais non, parce que là, je vais l'envoyer à la mort, donc ce n'est pas une bonne idée du tout. Inspirer les hommes qui sont ici, démoraliser les hommes qui sont là, 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 voilà. Ici, il faut finir ce combat très rapidement, et c'est surtout que mes deux bretteurs, il faut qu'ils s'en aillent du combat, mais alors genre très très vite, parce qu'ils sont en train de se prendre des patates depuis un petit moment. Bref, vous trois, je vais quand même vous envoyer dessus, sait-on jamais, avec un peu de bol, vous allez attraper quelqu'un. Ici, voyons voir le combat épique qui est en train de se dérouler. Si j'arrive à tourner la caméra de bon côté. La cavalerie contre des hoplites, elle fait jamais bon ménage. Et apparemment, il n'y a pas que ça. Ah, il s'enfuit? Pourquoi? Allez, on va regarder l'aventure de ce brave homme. Qui va combattre seul les forces de la Macédoine.
Mon mec, il en a rien à cirer, vas-y, va-t'en. Ah, c'est ça, bah il s'en va. Ah non. Hop là, voilà. Deuxième charge de la cavalerie, mais ils ont toujours pas compris que ça ne servait à rien contre des hoplites. Surtout que c'est de la cavalerie de tirailleurs. Allez, hop, est-ce qu'on a réussi à en avoir? Non, pas vraiment. Mais mes hoplites se replacent. En prévision de. Ah, ils sont toujours en mur hoplites, c'est sympa ça. Et eux sont toujours en train de tirer dans le tas. C'est là qu'il faut que vous tiriez, hein, finalement. Mes hommes courent et les font fuir. Alors, le général a fui récemment. Est-ce que le fait de les faire courir suffira? Ah bah non, apparemment pas. Voilà, ça c'est fait. Ici, est-ce qu'on peut admirer le tir de mes balistes dans les unités qui sont là, là? Genre tout ce paquet. Là, c'est toujours une cavalerie qui m'attaque, mais pourquoi ils comprennent pas le principe, quoi? Je comprends pas. Ils continuent de m'attaquer en sachant pertinemment que c'est une nannerie sans nom, mais ils y retournent. Là, je crois que mes balistes en ont marre aussi. Alors, en l'occurrence, celle-là, je ne sais pas ce qu'elle est partie me faire. Non, 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 non. Tu restes là, s'il te plaît, j'ai pas envie que tu meurs bêtement pour t'avancer comme un... Oh, le trou! Oh, mais alors ça, c'est... Ah non, mais ils se relèvent tous, c'est dommage. Bon. Boum! Voilà! Voilà, il est un peu raté celui-là. Et le dernier tir de la baliste, s'il te plaît, ne te rate pas. Parce qu'on y croit tous. Ouais, 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 il a l'air pas mal. Boum, boum! Bon, c'était pas le plus glorieux. Ici, toujours une bataille, mais alors à n'en plus finir. Mais on voit leur nombre diminuer assez rapidement. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de mettre en place ma technique. Go! Voilà. Non, 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 vous passez par là, là. Un peu de technique, quand même. Où sont mes unités? Elles continuent de courir. Moi, je m'en fous, parce qu'il faut que je les maintienne à distance. Donc, on va les laisser courir. Eux fuient très bien. Ça me fera une unité en moins à chercher. Des lance-projectiles. Voilà, mourez. Toi, t'es mort. Ah non, tu t'enfuis. Ah, avec ton superbe... Oh, la vache! Eh, rigole pas, leur porte-drapeau. Hein. Donc, ils envoient d'autres unités. Ou pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont censés finir quand même, sinon c'est moi qui gagne. Donc, pourquoi ils attaquent pas? Peut-être qu'ils attendent que je le fasse. Eh ben, on va pas les décevoir. Hein. Toi, tu retournes à tes balises, s'il te plaît. Vous deux. Vous trois. Il est l'heure. Montrez ce que vous savez faire. Voilà. Les hommes sont hésitants. Ils sont massacrés derrière. Mais qu'est-ce que vous foutez sans bouger aussi? Oh, mais je reviens pas à ces machins là. Bon bah voilà, ils ont fui. Est-ce qu'ils sont restés sans bouger pendant des... Oh là là, c'est compliqué de suivre tout ça aussi. Ah ah ah, charge de la cavalerie. Mais ils n'avaient pas vu les hoplites arriver. Ah mais c'est encore des tirailleurs. Ils sont pas chiants ceux-là. Ah, que se passe-t-il? Mes bretteurs sont aux mains. Ça, c'est chiant, ça. Allez, on avance, là. C'est pas tout ça, mais on avance. Go, 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 go. Voilà. Repassez par derrière où d'autres unités vous attendent et vont vous massacrer. Hop, là, j'ai tout attrapé, là, je pense, avec cela. What? Non, mais bougez-vous, là. Allez, allez. Voilà. Comme ça, un bon gros paquet de la mort qui avance. Non, vous, vous avancez pas. Vous retournez à vos balistes, encore une fois. Et général, fais ton taf, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, ah, c'est des archers, c'est pour ça que je pouvais courir avec après eux pendant une éternité. Mais envoyer mon général plus tôt aurait été très très dangereux. Voilà, les archers fuient, ceux-là vont sûrement fuir du coup de la même façon. Voilà, ils se réparent, et voilà, c'était fini. Ouais, non, elle a déjà duré plus qu'elle n'aurait dû. Alors, bon, je l'ai pas entièrement perdu, je pense. Mais j'ai quand même perdu pas mal de monde. Et eux ont perdu quasiment tout. Par contre, c'est vraiment chiant, ces cavaleries. Bon, encore, ils étaient super débiles, ils les ont fait courir sur moi. Mais leurs archers, ils ont pas arrêté de courir. Et mes hommes, bah, en fait, ils leur ont couru après. Je pensais que ça allait les occuper, mais au final, ils m'ont fait plus de mal que ce que je pensais. Donc, c'était pas forcément un bon plan. Je confirme, je ne l'ai pas perdu, mais j'ai pris du grade sur mes balistes, ce qui n'est pas négligeable, et j'ai surtout
massacrer. Ah bah non, la première armée quasiment. Pas la deuxième. Bref, en tout cas, eux, ils vont pas revenir tout de suite. Et moi, je vais pouvoir me refaire une santé. Rejoindre la guerre contre Colchide. Mais j'ai pas rejoint une guerre d'un état. C'est une satrapie, mec. Enfin, t'attaques pas la satrapie du pont. Vous vous entendez pas bien avec le pont ou. Enfin, je comprends pas. Et voilà, encore un truc de la. En plus, tu me demandes de l'argent, mais t'as complètement fumé, mon ami. Tout à fait d'accord, mais attends, parce que t'as une économie forte si je te demande 4000. Bah, bon, ça marche pas. Paiement si je te demande 2000. Ouais, voilà. On fait la paix, nickel. Et en plus, j'ai encore gratté 2000. C'est n'importe quoi. Ah, d'accord, ouais. J'avais oublié. Ok, oh là là, mais il faut qu'ils arrêtent! Paix négociée avec Atropatène, trait de caractère, agent caché, découvert. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai déjà gratté plus de temps que je n'aurais dû. Je vais juste faire ça, sinon je sais que je vais l'oublier. Et hop, recherche. Voilà, comme ça je suis dessus. Hop, voilà, comme ça j'ai dépensé plein d'argent. On va s'arrêter là, comme ça me permettra de reprendre doucement et de voir après une fin de tour ce que je suis censé faire. J'espère en tout cas que ce petit épisode vous aura plu. N'oubliez pas mon fameux concours, donc si vous voulez qu'on fasse des matchs ensemble, des matchs contre, un tournoi, etc., faites-le moi savoir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!